Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de CBD et de chanvre dans les compléments alimentaires. Donc, je m'appelle Ludovic Rachoux, je suis président de l'UVEC, Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais en fait, tout simplement, on va regrouper des acteurs industriels et économiques qui s'intéressent à toute la chaîne de valeur des extraits de chanvre, donc au titre desquels, par exemple, le fameux CBD dont tout le monde parle. Et on va aussi bien représenter des acteurs du monde du complément alimentaire, des gens de la partie agricole, donc des producteurs de chanvre, des fabricants d'ingrédients. Je vois que d'ailleurs, il y a nos adhérents juste à côté d'ici. Et on va vraiment s'intéresser à toute la chaîne de valeur des extraits de chanvre et bien sûr au cadre réglementaire correspondant à l'utilisation du chanvre dans les différents produits. Donc comme je vous le disais, on s'intéresse vraiment aux produits finis avant tout, fabrication des ingrédients, utilisation de ces ingrédients dans les compléments alimentaires, dans l'alimentaire, dans les cosmétiques ou même dans l'alimentation animale. Et on ne va pas du tout sur tout ce qui est produits à fumer, fleurs brutes, produits agricoles, textiles, etc. On se concentre vraiment sur les extraits de chanvre. Alors un petit point d'abord sur le marché français et le potentiel du marché français quand on parle de CBD. Il y a un an à peu près, le marché du CBD, c'était 400 boutiques spécialisées qui vendaient majoritairement de la fleur à fumer. Et aujourd'hui, vous avez en fait la grande distribution qui vend du CBD, vous avez des pharmacies qui vendent du CBD, vous avez des parapharmacies qui vendent du CBD, vous avez du CBD à peu près partout. Nous, on a fait une étude croisée en lien avec le Synadiet, justement, l'interprofession et la FEBA et le COSMED, pour chiffrer un peu tous les marchés. On a estimé que, en cas d'évolution réglementaire favorable et avec des règles du jeu claires pour tout le monde, dès la première année, on pourrait être sur un marché qui atteint environ 700 millions d'euros. Aujourd'hui, à date, le marché du CBD dans les produits finis, les huiles, les gélules, etc., et les cosmétiques, en France, c'est environ 100-150 millions d'euros, à l'heure où on parle. Et c'est un marché qui s'est constitué en à peine un an, alors qu'on a un cadre réglementaire plutôt flou. Et on estime d'ailleurs, ça c'est assez intéressant, que quand on regarde le marché anglais ou le marché américain, c'est principalement les compléments alimentaires dans lesquels on inclut les huiles qui tirent le marché. Donc on estime que ça serait plus de la moitié du marché consacré aux seuls compléments alimentaires. Quand on regarde la filière en France, on a vraiment une situation assez unique. En fait, on a tout ce qu'il faut pour devenir le leader mondial. On a le seul institut de génétique qui est capable de faire des semences certifiées. Ça fait plus de 30 ans qu'on fait du chanvre en France, donc on a une vraie expertise sur les semences et la génétique. On est le premier producteur de chanvre en Europe. Alors, pas pour du CBD aujourd'hui, mais demain, ces acteurs-là peuvent faire du CBD et certains y réfléchissent déjà. On a 20 000 hectares de chanvre. On a, évidemment, avec toute la filière des plantes à parfum aromatiques, une vraie expertise sur la fabrication d'ingrédients végétaux, notamment dans la région de Grasse, mais pas que, un peu partout en France. On a aussi des leaders nationaux, que ce soit dans le complément alimentaire, dans les produits cosmétiques, je ne vais même pas présenter des gens comme L'Oréal, Arco Pharma ou Pilège, et aussi des acteurs spécialisés dans la distribution, aussi bien en France qu'à l'international. Et on a aussi en France le réseau des pharmacies, avec 20 000 points de vente, qui peut distribuer ce genre de produits. Donc on a vraiment tous les atouts en France pour devenir le leader mondial des extraits de chanvre et en particulier du fameux CBD. Alors vous le savez peut-être, il y a eu au mois de juillet, la France a commencé à travailler sur une nouvelle réglementation autour du CBD. Et cette nouvelle réglementation, elle vient de l'affaire Canavap, qui était une affaire à la CJUE, qui a poussé la France à revoir sa réglementation. Pourquoi ? Parce que la réglementation française était trop restrictive. En fait, la réglementation française sur le chanvre interdisait d'exploiter autre chose que les fibres et les graines de la plante. Donc on n'avait pas le droit de toucher aux fleurs ou aux feuilles. Et donc cette nouvelle réglementation, suite à l'affaire Canavap, prévoit en fait d'élargir les utilisations de la différente partie de la plante aux fameuses feuilles et fleurs, mais uniquement pour le marché de l'extraction. C'est-à-dire que les fleurs et les feuilles brutes à fumer vont être interdites. Donc typiquement les fleurs de CBD à fumer devraient être interdites dans les mois qui viennent. Ça veut dire qu'il va y avoir un marché qui va se développer pour l'extraction et pour la fabrication d'ingrédients. L'autre point important, c'est que on va sortir du dogme du 0% THC pour rehausser le taux autorisé dans les produits finis. C'est surtout quelque chose qui s'apprécie au niveau global pour différencier des stupéfiants et ce qui n'est pas des stupéfiants. Mais attention, dans l'alimentaire, le taux de retenue sera beaucoup plus faible que 0,2%, évidemment. Parce que 0,2% dans l'alimentaire, c'est assez énorme. Un autre point important sur la partie culturelle. Aujourd'hui, donc les agriculteurs n'avaient pas le droit d'exploiter la fleur et les feuilles de chanvre. Donc maintenant, ils vont pouvoir le faire pour l'extraction. Pour l'instant, les variétés vont être élargies au catalogue européen. Ça peut paraître un peu bête comme ça, mais avant, on était limité sur les variétés qu'on peut utiliser dans le chanvre. Et en élargissant au catalogue européen, on va largement augmenter
je dirais, la capacité de production de CBD avec des variétés beaucoup plus intéressantes. Et toujours, pour l'instant, la règle du 0,2% de THC dans la culture, bientôt 0,3%. Ça, c'est la partie importante sur la partie culturelle. Sur les extraits de chanvre, un point assez intéressant, dans la réglementation, au début, on parlait seulement de CBD. Aujourd'hui, si vous lisez la réglementation telle qu'elle a été notifiée à la Commission européenne, c'est pas limité au seul CBD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, un acteur français du monde des ingrédients peut fabriquer du CBG, du CBC, du CBN, etc. Tant que ce n'est pas des produits stupéfiants, donc pour l'instant, dans la réglementation française, seulement le THC est considéré comme stupéfiant. Donc ça veut dire que ça ouvre la voie, évidemment, au CBD qui est le plus connu, mais aussi à tous les autres cannabinoïdes et tous les autres terpènes que peut contenir la plante de chanvre et la fleur de chanvre. Et donc ça ouvre tout un champ des possibles en termes d'ingrédients et de matières premières. L'autre point, évidemment, et ça c'est pas lié à la réglementation, c'est qu'il n'y a pas possibilité de faire des allégations thérapeutiques ou même des allégations tout court sur les extraits de chanvre. Aujourd'hui, il n'y en a aucune qui sont validées au niveau européen. Et l'autre point important qui a été rappelé, c'est que tous les produits qui contiennent du CBD n'ont pas le droit de faire de l'apologie de la consommation de stupéfiants. Donc tous les noms un peu farfelus, les Weed Paradise, les dealers de kiff, etc., vous oubliez. En termes de propositions, où est-ce qu'on en est? En fait, aujourd'hui, dans la réglementation, il manque encore pas mal de points, notamment l'encadrement sur les produits finis, ce qui paraît en fait le plus important, et notamment le point sur les compléments alimentaires. Aujourd'hui, on n'a pas de cadre qui permette en France de commercialiser des produits au CBD en tant que complément alimentaire. Pourquoi? Dans la réglementation française, il y a une exception dans la réglementation sur les compléments alimentaires qui interdit d'intégrer des novel foods. Au niveau européen, le CBD est encore considéré comme un novel food. Il est inscrit au catalogue novel food qui n'a pas de valeur juridique point contraignante. Néanmoins, comme le règlement français, la réglementation française sur les compléments alimentaires y fait référence, on ne peut pas intégrer de CBD dans les compléments alimentaires. Donc aujourd'hui, ça fait partie, nous, de nos missions à l'UVEC, de travailler sur un cadre pour permettre l'utilisation du CBD dans les compléments alimentaires ou des équivalents. Et je vais revenir dessus juste après. De la même manière, sur les cosmétiques, aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction du CBD, et dans les réglementations cosmétiques au niveau européen, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Néanmoins, quand on est sur un sujet aussi touchy que le CBD ou que les extraits de chanvre, ce n'est pas forcément suffisant, et donc des réflexions sont en cours sur une harmonisation au niveau européen et surtout une étude du taux maximum de THC qui sera autorisé dans les cosmétiques. Enfin, il manque un autre point dans la réglementation, c'est l'encadrement des activités d'extraction, c'est-à-dire pour les fabricants d'ingrédients. Qu'est-ce que j'ai comme contrainte en termes de fabrication de CBD? Dans le processus, il y a souvent du THC qui est fabriqué. Aujourd'hui, ça va sortir du giron de l'ANSM et de la fabrication de produits stupéfiants. Par contre, quel va être le cadre applicable? Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas de THC, etc., qui disparaît? Et la même question se pose sur les activités d'analyse. Comment est-ce qu'on fait pour analyser ces produits? Je pense peut-être que vous le savez, mais aujourd'hui, un laboratoire d'analyse doit demander des étalons de THC à l'ANSM pour faire des analyses de THC. Et donc aujourd'hui, il y a un problème de volume des talons disponibles sur le marché. Donc ça, c'est les points sur lesquels on travaille encore. Je vous parlais tout à l'heure du cadre sur les compléments alimentaires. Je pense que c'est le sujet de fond aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous, on travaille notamment évidemment avec le CINADIET, mais aussi d'autres organisations professionnelles du secteur, comme l'Interpro, sur comment est-ce qu'on pourrait autoriser les produits au CBD en attendant une harmonisation européenne par Novel Food. L'idée, ce qu'on peut constater aujourd'hui en France, c'est qu'on a un marché déjà relativement gros sur le CBD. On ne parle pas d'un petit marché dans Novel Food comme les insectes ou autres à l'époque. On parle d'un marché assez énorme et en plus on a un certain recul. Ça fait des années que le CBD est commercialisé en Europe, voire même en Angleterre depuis 4-5 ans, sans problématique particulière de remontée sur la nutrivigilance. Donc il y a un vrai sujet sur permettre aux acteurs économiques français de se saisir de cette opportunité de marché. Sachant qu'il suffit de traverser la frontière et d'aller par exemple aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, vous verrez qu'il y a du CBD littéralement partout, dans la grande distribution, etc., et ce depuis plusieurs années. Donc la question de la concurrence déloyale entre les différents pays européens se pose. Et donc nous, dans les recommandations qu'on pousse avec le CINADIET notamment, ce qu'on pousse, c'est d'avoir un cadre transitoire en attendant une harmonisation avec les dossiers Novel Food. Ce cadre transitoire, il prévoit quoi? Il prévoit une dose maximum journalière de 70 mg de CBD. Un taux très très faible de THC et en fait de aussi préciser des précautions d'usage sur les packagings et d'imposer en fait une déclaration en amont auprès de la DGRF de la même manière que les compléments alimentaires pour que la DGRF ait la capacité de contrôler le marché en amont et de vérifier que tout est compliant, les étiquetages, la qualité du CBD utilisé, etc. Aujourd'hui, on ne va pas chercher ces chiffres nulle part.
On va aller tout simplement se baser sur les réglementations étrangères, principalement Australie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni, qui ont appliqué des cadres, bon, avec plus ou moins de succès parfois. Mais en tout cas, voilà, ces seuils de CBD ont été évalués par les organisations, l'équivalent de l'ANSES par exemple, au Royaume-Uni. Pourquoi est-ce qu'on vraiment souhaite s'affranchir, en tout cas avoir une période transitoire jusqu'à l'harmonisation européenne avec le dossier Novel Food? Bah, comme je vous le disais, aujourd'hui on voit en Allemagne, aux Pays-Bas, on voit énormément de laboratoires, d'entreprises qui se saisissent de ces marchés-là et qui le font parce qu'il n'y a pas forcément d'enforcement sur Novel Food dans les pays correspondants. Et donc il y a une vraie nécessité pour les acteurs français de pouvoir commercialiser du CBD, d'autant plus que, comme ce que je vous ai montré avec la filière, on est le pays qui a le plus à perdre, on est le pays qui a le plus de surface de chanvre. Et ce qu'on voit d'ailleurs, ce qui est assez impressionnant, c'est que les surfaces françaises de chanvre n'ont fait qu'augmenter sur les 10 dernières années, passer en gros de 12 000 à 20 000 hectares. À l'époque, quand on avait des 12 000 hectares, on avait 60% des surfaces cultivées. On a beau être passé à 20 000 hectares, on n'a plus que 40% des surfaces en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des filières chanvre qu'on poussait dans les 3-4 dernières années, principalement en Allemagne, dans les pays de l'Est, autour des filières fleurs qui sont assez valorisées. Et donc maintenant, ces filières chanvre à l'étranger viennent concurrencer notre filière chanvre française qui, avec 20 000 hectares, reste une toute petite filière et encore assez fragile. Et puis, on a un vrai problème aussi sur ce marché quand vous regardez la qualité des produits. C'est qu'on n'a pas forcément de traçabilité, on ne sait pas quel type d'ingrédient est utilisé. On a fait, nous, des études avec des analyses aléatoires sur certains produits. Les taux de CBD sont pas respectés, les taux de THC sont pas correctement étiquetés. Parfois, il y a beaucoup de THC, ça peut paraître assez surprenant, mais ça existe. Donc, on a un vrai problème pour le consommateur pouvoir faire confiance à ces produits-là. Et c'est pour ça qu'une réglementation qui permette à tout le monde de jouer avec les mêmes règles du jeu est importante. Pour revenir un peu sur les seuils, je vous parlais du cadre anglais. En fait, aujourd'hui, en Angleterre, il y a un cadre qui a déjà été fait quand ils sont sortis de l'Union européenne pour prévoir la transition avec Novel Food, et notamment sur la question du CBD. Et ils sont retenus le seuil de 70 mg de CBD par jour. Donc ça, c'est vraiment en termes de dose dans les compléments alimentaires ou dans les produits alimentaires. Et ce seuil, en fait, il a été estimé par le COT, donc le Committee on Toxicology, qui est un peu l'équivalent de notre ANSES, qui a fait une évaluation liée notamment au risque de consommation sur le CBD, notamment sur le foie, et arrivé à ce seuil considéré comme non problématique. Voilà. Et de la même manière, en Angleterre aujourd'hui, la règle c'est le 1 mg de THC par contenant, c'est quelque chose qui n'existe pas en France aujourd'hui, et vraisemblablement dans les discussions qu'on peut avoir avec les autorités françaises, pour l'instant, la règle qui s'applique, c'est les limites de l'EFSA, donc qui sont très très faibles. Mais en tout cas, c'est déjà une première étape. Un petit peu de calendrier, vous donner un peu de perspective. Donc en fait, comme je vous disais, le 20 juillet, l'arrêté français a été notifié à la Commission européenne. La fin de période de statu quo, il y a eu 3 mois de notification, une période de statu quo dans laquelle la France ne pouvait pas adopter la réglementation. Cette période, elle s'est terminée vendredi dernier. Donc depuis vendredi dernier, la France peut adopter le texte qu'elle a publié. La Commission européenne et autres ont demandé de faire des petites retouches, mais c'est des retouches qui ne sont pas obligatoires. Donc demain, si la France le veut, elle peut adopter ce nouveau cadre. Le but de l'administration aujourd'hui, c'est d'adopter ce cadre avant la fin de l'année, pour une mise en application l'année prochaine, et commencer potentiellement les contrôles, principalement sur les produits à fumer, etc., l'année prochaine. On n'est pas la priorité aujourd'hui de l'administration n'est pas forcément sur les produits alimentaires. Et donc on discute sur tous les points correspondants, sur les activités d'extraction, sur le cadre sur les compléments alimentaires et sur les cosmétiques, pour que dès qu'on ait la réglementation qui soit publiée, on ait un cadre clair pour les acteurs économiques, pour qu'ils puissent se saisir du sujet. Donc on devrait avoir un nouveau cadre en 2022. Et un petit point sur les dossiers Novel Food. Aujourd'hui, il y a plusieurs dossiers Novel Food qui sont à l'étude à l'EFSA. Donc là, ils ont été transmis par la Commission européenne à l'EFSA. Aujourd'hui, ces dossiers n'avancent pas très vite. Donc, au plus tôt, on estime qu'on devrait avoir les premiers dossiers Novel Food et une potentielle harmonisation européenne sur le sujet, plutôt début 2023. Voilà. Faut plutôt être pessimiste, hélas, sur ça. Mais ça va mettre un peu de temps. Voilà, je vais prendre les questions maintenant. Je pense qu'il y en a potentiellement pas mal. Un micro, peut-être, ouais. Allez-y, hein, si vous avez des questions. Bonjour. Vous avez peut-être déjà répondu, mais il y a des marques qu'on commence à voir en parapharmacie. Enfin, il y a une marque, Kaya par exemple, qui fait des compléments alimentaires avec du CBD. Comment ils font?
Alors en fait, aujourd'hui en France, vous avez pas mal, beaucoup de marques. Hein, on va en parler en pharmacie, en grande distrie, dans les CBD shops, on en voit même dans les jardineries, on en parlait ce matin. Donc il y en a littéralement partout. Aujourd'hui, ces marques-là, par définition, ne peuvent pas être déclarées en complément alimentaire. Si elles écrivent qu'elles sont en complément alimentaire, c'est qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, elles sont généralement considérées comme des denrées alimentaires. Et ce qui est rendu compliqué, c'est qu'aujourd'hui, l'enforcement novel food par la DGCRF est assez compliqué tant qu'on n'a pas de la nouvelle réglementation appliquée. Bonjour, société Phytograde, spécialisée dans les cannabinoïdes, sur le point analyse. Peut-être on va vous rejoindre avec Green Tech, qui est une société de matières premières. On parlait avec Zoé la semaine dernière. Il y a un gros problème en France et même en Europe sur l'analyse. Aucun laboratoire n'est enregistré. Et surtout, on peut envoyer 6 extraits qui est le même dans 6 laboratoires. On aura 6 résultats complètement différents sur l'analyse. Donc ça, c'est le plus gros problème à ce jour pour des gros laboratoires, de s'assurer que s'il y a un contrôle des douanes et qu'ils choisissent un laboratoire négatif, ils retrouvent du THC alors qu'il n'y en a pas chez, dans un autre laboratoire. Alors, ravi que vous nous rejoigniez la semaine prochaine, mais en tout cas, on a eu une réponse notamment de la santé hier sur le sujet des analyses, qui sont conscients hein, du problème. Donc, normalement, il y a des demandes, quand vous faites des demandes d'étalons auprès de la NSM, ils sont en train de changer, je dirais, leur manière de réfléchir. Ça met un peu de temps, hein. Mais en tout cas, maintenant, ils vont prendre en ligne de compte les labos qui font des demandes pour l'analyse de CBD, ce qui avant n'était pas un marché qui existait. Et donc, ils vont augmenter notamment la quantité de THC qui vont être attribués. Après, il y a aussi tout un travail d'éducation à faire auprès des douanes, auprès du ministère de l'Intérieur, etc. Ce qu'on fait au quotidien, mais presque, pour leur expliquer comment marche le marché, ce qu'il faut regarder, etc., la fiabilité de certaines analyses. Donc ça fait partie de nos missions principales, mais on sent quand même une inflexion sur le sujet dans les mentalités maintenant que la réglementation est passée. Bonjour, je vais rebondir sur la personne d'avant par rapport aux compléments alimentaires et à la législation. J'avais cru comprendre que les denrées alimentaires étaient soumises aussi à la même législation. Alors, est-ce qu'aujourd'hui une denrée alimentaire pourrait contenir du CBD? Alors, la grosse différence, c'est que quand vous faites une denrée alimentaire, quelle qu'elle soit, vous n'avez pas de déclaration ou d'enregistrement. Alors, quand vous faites un complément alimentaire, pour le mettre sur le marché, il faut avoir eu la déclaration ou l'enregistrement. Donc, vous avez un processus qui n'est pas le même. Et donc, demain, n'importe qui peut mettre une denrée alimentaire sur le marché. Il faut juste respecter les conditions d'étiquetage, etc. Mais vous vous exposez à des contrôles, mais vous n'avez pas je dirais, de processus pour pouvoir le mettre sur le marché. C'est ça la grosse distinction, elle est là. Et quand on regarde la réglementation Novel Food, elle s'applique en France à toutes les entreprises, hein, c'est une réglementation européenne, mais elle n'a pas de retranscription dans la réglementation alimentaire en France. A contrario, dans les compléments alimentaires, on y fait référence. Mais pour aller plus loin sur votre question, aujourd'hui ce cadre sur les denrées alimentaires, il n'est pas du tout fiable. Enfin, c'est pas du tout ce que les acteurs souhaitent. On souhaite qu'il y ait un cadre clair avec des règles du jeu pour tout le monde qui soient les mêmes. Bonjour Nicolas, Société Vital Plus. Du coup, vous parliez tout à l'heure que la filière de chanvre en France, ça correspondait à 40% de tout ce qui est au niveau européen. Est-ce que c'est une filière qui est adaptée à l'extraction du CBD? Les variétés qui sont vraiment cultivées en France, elles sont vraiment adaptées pour... Alors aujourd'hui pas du tout, puisqu'en fait on avait un catalogue européen de variétés qui était plus restreint que le catalogue européen, un catalogue français qui était plus restreint que le catalogue européen. Avec la réglementation ça va changer, on va avoir accès aux mêmes variétés que les catalogues, enfin que nos homologues européens. Et il y a enfin encore, je dirais, des subtilités sur les itinéraires culturaux, c'est-à-dire quelle densité de semis, quelle période de récolte, etc. Mais aujourd'hui ils n'avaient pas le droit de le faire. Donc il y a déjà des expérimentations qui sont en cours avec une dérogation de la NSM depuis 2 ans sur les optimums de récolte, les variétés, etc. Et nous, on travaille au sein de l'UVEC avec tous les partenaires agricoles et les instituts techniques à déterminer les itinéraires culturels les plus adaptés. Donc, à mon avis, dès l'année prochaine, elles seront en mesure de le faire. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que le chanvre est une plante comme une autre, hein, et donc il y a une question de rotation des cultures qui se pose, etc. Et voilà, ça peut se. Aujourd'hui, les agriculteurs français veulent se saisir du sujet. Je pense que sur les 20 000 hectares de champs français aujourd'hui, il y en a à peu près 8 000 qui sont intéressés par le CBD. Voilà. Et d'ailleurs, sur les variétés, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un regain d'intérêt sur la fibre textile, qui est bien plus écolo par exemple que le coton.
le textile de chanvre, et qui ça se combinerait très bien avec la culture de la fleur, parce que on récolte plus tôt et donc la fibre est de meilleure qualité pour le textile. Merci. On n'a pas parlé de la certification bio et la relation avec toutes les démarches qui sont faites. Alors, certification bio, c'est une très très bonne question. Il y a eu un gros sujet sur la certification bio sur les produits CBD il y a quelques semaines. En fait, il y a des organismes certificateurs qui avaient délivré des certifications bio il y a à peu près 2 ans. Ils avaient arrêté de le délivrer à des nouveaux entrants il y a à peu près 1 an quasiment. Et aujourd'hui, il y a eu un petit rappel, on va dire, par l'INAO sur la certification bio, comme quoi on ne pouvait pas certifier des produits qui étaient novel food. Donc aujourd'hui, aujourd'hui tous les acteurs qui avaient des produits au CBD avec une certification bio ont reçu un courrier recommandé de leur organisme certificateur pour demander de retirer le label AB de leurs produits. Pardon? Non, en cosmétique c'est pas le cas. En cosmétique c'est autorisé, donc vous avez la certification Cosmos par exemple, qui en, il n'y a pas de problème sur la cosmétique. C'est vraiment sur les produits alimentaires à cause du statut novel food. Et aujourd'hui, nous au sein de l'UVEC, on travaille suite à une demande du ministère de l'économie sur un label qui atteste d'une conformité réglementaire dans le cadre de la future réglementation. Et une fois qu'on aura cette future réglementation, on pourra reprendre le travail des certifications bio. Mais aujourd'hui, sur les processus de fabrication de manière générale sur le CBD, majoritairement, il n'y a pas de problème pour avoir des certifications bio. C'est principalement du CO2 supercritique, ce qui ne pose pas de problème. Moi, j'ai une question plus. Enfin, j'en profite vu que personne ne pose cette question, mais je ne sais pas trop si c'est le contexte. En gros, j'ai entendu parler de l'isolat de CBD ou alors le full spectrum ou broad Broad spectrum. spectrum. Et du coup, je voulais un peu votre avis là-dessus. Alors, en fait, quand on va fabriquer du CBD, on va aller prendre la matière végétale, donc la biomasse. Alors, la biomasse, elle peut être plus ou moins concentrée en CBD, en THC, etc., selon si c'est que de la fleur et des tiges, etc. On va faire une première extraction. Donc là, on va obtenir en fait un premier résultat de l'extraction où là, ça va être relativement concentré en cannabinoïdes et notamment en THC. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec des taux de THC qui sont supérieurs potentiellement à ceux de la plante. Et donc ça, généralement, c'est ce qu'on va appeler la première extraction, le full spectrum, qui va contenir en fait le profil brut de ce qu'il y avait dans la plante. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle communément les broad spectrum, qui sont en fait les mêmes types d'extraits dans lesquels on a remédié le THC, c'est-à-dire qu'on a enlevé le THC, mais il y a encore les autres cannabinoïdes dedans, et les terpènes. Et ensuite, vous avez l'isolat. Alors l'isolat, il peut être de CBD, de CBG, de CBC, de ce que vous voulez. C'est la forme purifiée et concentrée d'une molécule, en l'occurrence, donc le CBD par exemple. Et point important, dans le cadre des dossiers Novel Food, ce qui rend aujourd'hui l'évaluation des dossiers Novel Food si compliquée, c'est qu'il n'y a rien de plus différent que 2 ingrédients, parce que vous avez des profils avec des cannabinoïdes et des terpènes qui sont très différents entre 2 dossiers. Du coup, ça rend très très compliqué l'analyse des dossiers Novel Food, et c'est pour ça que c'est assez compliqué de standardiser la chose, sauf pour les isolats. Et d'ailleurs, dans les discussions qu'on peut avoir nous aujourd'hui avec la DGCRF ou l'administration, sur le cadre transitoire, la seule chose qui semble se dégager pour l'instant, c'est plutôt du côté de l'isolat. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose sur laquelle on est vraiment que sur du CBD, et ce qui est plus cohérent avec la réglementation étrangère dont je parlais tout à l'heure. J'avais une question justement du coup sur les autres cannabinoïdes, le CBG par exemple qu'on voit qui apparaît de plus en plus. Est-ce que vous savez s'il y a déjà des dossiers Novel Food qui ont été déposés là-dessus? Parce qu'on parle beaucoup de CBD mais pas beaucoup de CBG justement. Alors, il y a des dossiers CBG qui ont été déposés. Ils n'ont pas encore été transmis à l'EFSA. Je pense qu'on en est un peu loin encore. Mais il y a des dossiers en cours. Il y a même des dossiers sur d'autres cannabinoïdes qui ont été déposés. Aujourd'hui, je crois qu'au total, il y a 240 dossiers qui ont été déposés sur des cannabinoïdes en 1 an et demi. À titre de comparaison, ils ont d'habitude 40 à 50 dossiers Novel Food par an, tout sujet confondu. Donc la charge de travail que ça représente est assez conséquente. Et d'ailleurs, des discussions qu'on a pu avoir avec la DG Santé qui gère ça, la Commission européenne, leur but, c'est de déterminer une méthode d'évaluation des dossiers rapidement pour ensuite arriver à une harmonisation et potentiellement éviter qu'il y ait 25 ingrédients différents sur le marché. Mais la question est tout à fait vraie, c'est-à-dire qu'il va y avoir les mêmes sujets pour chaque cannabinoïde, et donc on n'est pas, hélas, on n'est pas forcément prêt d'avoir du CBG, du CBC, etc. sur le marché, en tout cas de manière complètement encadrée rapidement.